Alors utilisez une pincée de sel fin sur vos préparations à base d'œuf, exclusivement sur le blanc pour éviter de cuire votre jaune. Pour votre cuisson à l'anglaise, il est important de saler au moment de l'ébullition. Vous allez gagner en économie d'énergie. Une fois disposé le gros sel, c'est vos légumes. En fin de préparation de votre papillote, avant de la refermer, ajoutez une pincée de fleur de sel. Mes conseils, toujours goûter les plats avant de saler. Ne jamais trop saler, il vaut mieux saler un peu moins au départ et ressaler au moment du dressage.